J'ai enfin atteint le palier 100 du pass de combat de Fall Guys. Et comme vous pouvez voir, j'ai débloqué le skin de Bob l'éponge. D'ailleurs, maintenant, je suis même palier 104, ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, oublie pas de me dire, tu en es à peu près où au niveau du pass de combat? Dans l'espace commentaire. Bien entendu, je vous avais déjà fait une vidéo sur les skins de Bob l'éponge, mais celui qu'on avait oublié, c'était tout simplement, eh bah Bob. C'est moi, wesh. Donc, je me suis dit qu'il fallait en faire une vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher ton meilleur pouce bleu, à t'abonner, c'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour quelques petites games en sa compagnie. Let's go, bon visionnage. Je bois que de l'eau, 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 que de l'eau. Que de l'eau, les gars. C'est pas bon de boire des sodas, des choses comme ça, ça vous détruit la vie, ça vous détruit la santé. Oh, comment, il y a même des marques qui m'ont contacté, hein. Qui m'ont contacté, des marques de boissons énergisantes. Pour spécial gamer. Et en vrai, les refs, ne touchez jamais à cette merde. En plus, ils m'ont contacté pour... En plus, ils me vantaient les mérites en mode il y a des gros influenceurs avec qui on travaille et tout, comme Locklear ou. C'est une opportunité inouïe que vous avez et tout. On m'a trop vendu le truc et comment j'ai refusé. Parce que vous me verrez faire des OP ici, ça c'est sûr, mais que des OP où je suis convaincu du truc et que j'utiliserai, comme par exemple j'ai fait avec HelloFresh, etc. Forta aussi. Ah mais comment tout ça, c'est pas bon ça les sodas et tout les gars, c'est pas bon. T'as fait des OP sur quoi? J'ai fait des OP sur... j'ai fait Raid Shadow Legend. D'ailleurs j'ai un gros compte, j'ai joué de ouf. J'ai fait des OP sur HelloFresh, ça c'est trop bien. En gros, si t'es pas trop... si t'es pas un professionnel de la cuisine... Tu commandes et en gros il t'envoie tous tes produits frais. Tous les produits frais et tout, et ensuite t'as plus qu'à les cuisiner. En gros, t'as pas besoin de faire les courses, etc. T'as directement les produits frais qui t'arrivent. Et en fait, c'est toi qui dois cuisiner. Et c'est trop bien. Donc ça c'est une dinguerie. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre comme OP? J'ai pas fait trop d'OP en vrai. Hein. J'ai pas fait trop d'OP. Bah, je crois que j'ai fait que ça. Il me semble. Il y a des mini-OP aussi comme JBL. Mais en soi, sinon, non. C'est tout. Mais c'est déjà bien, tu vois. C'est déjà bien. Oh. Je veux prendre un body block. Ah, ça en vrai, c'est pas mal. Puis en plus, ça permet d'aider les gens à boire plus. Parce que c'est vrai que moi, je galère à boire par contre. Je vous parle de l'eau, mais je galère à boire de la flotte. En vrai, ça, faudrait que je me documente un petit peu plus pour voir ce qu'il y a réellement dans ces fameuses dosettes. Mais en vrai de vrai, bah ouais, ça pourrait être sympa. Ça, tu vois, ça sera un truc qui pourrait être intéressant, tu vois, si... Après, à voir, faudrait que je regarde, que je m'intéresse un petit peu plus sur la marque. Mais ouais, ce serait une marque que je pourrais potentiellement, qui pourrait potentiellement m'intéresser, ça. Tu bois combien d'eau? Ah, je bois... Pff. Ouais, si je bois 500 millilitres par... si je bois 1 millilitre par jour, c'est le max, quoi, tu vois, et c'est pas bon. C'est incroyable. Ouais, bah, il faudrait que... Je vais voir. Je vais voir. Je pense que ça pourrait être sympa. On est 400 les refs. J'avais pas vu. Merci. Merci la mif. Pourquoi tu live pas sur YouTube? Il y a plein de personnes qui me demandent à chaque fois pourquoi tu live pas sur YouTube. Bah c'est simple. On a bâti toute une communauté soudée sur Twitch. Et donc du coup, j'ai des habitués sur Twitch qui viendront jamais me voir sur YouTube. Et inversement, il y a des personnes sur YouTube qui viendront jamais me voir sur Twitch. Et j'ai commencé à bâtir des communautés, comme j'ai bâti aussi une communauté sur TikTok, etc. Et je trouve que voilà, Twitch apporte énormément en termes d'interaction, en termes de stream. Je m'épanouis beaucoup plus sur Twitch que sur YouTube. Et donc du coup, voilà, je préfère beaucoup plus Twitch en termes de stream, voilà. Et YouTube, vraiment essentiellement en termes de vidéos et de création de contenu. Je préfère comme ça. Mais pas en argent, voilà. C'est ça. C'est l'interaction que j'ai avec Twitch, c'est incroyable et tout. C'est fou. Par contre, en termes de rémunération, par exemple les pubs, etc., par rapport au trafic que j'arrive à fournir sur la chaîne, c'est moyen.
Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais par contre, YouTube, bah c'est en partie grâce à YouTube que j'arrive à vivre de la création de contenu. Voilà. Et comme ça, au moins, vous avez un petit peu des deux. C'est mieux. Non mais t'es affilié Twitch, ça a changé Lumino. Depuis la baisse des subs, les streamers partenaires, je suis pas affilié, je suis partenaire. Donc c'est... Les affiliés peuvent, les partenaires ne peuvent pas. Mais par contre, là du coup depuis que ça a changé, on peut streamer sur les deux plateformes. On peut streamer sur les deux plateformes, y a pas de souci maintenant. Y a pas de souci. Même si on est certifié sur Twitch. Ça a changé depuis... Depuis quand? Depuis, je dirais bien 3 mois. Parce qu'il y a eu la fin des subs 70-30. Parce que là, du coup, on est en 50-50. Et du coup, à cause de ça, en fait, pour pallier la perte sur certaines chaînes, ils ont dit, ok, vous avez l'opportunité de streamer sur d'autres plateformes aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Isté, merci beaucoup pour le Prime, let's go! Merci beaucoup, mon petit pote! Merci beaucoup, merci, merci! Allez, faut que je me concentre. Faut que je me concentre fort. Ah, ça tient bien, ça tient bien. Ah, Misiox! Ah, il a trop forcé sur le grab, ça l'a mis en difficulté après. Oh, le bump! Oh! Sacha, il a failli m'éliminer avec son body block. Oh! Ok, let's gong. Ok, il a troll. Oh là là, le petit grave qui lui a fait perdre un petit peu la boule. Je sais pas Ryan. Puisque en fait le problème, c'est que nous en fait il va falloir qu'on va avoir juste le caractère en chinois. Donc du coup en fait on va peut-être pas forcément comprendre. Donc des fois sur des caractères comme ça, on supprime même si c'est des trucs bien intentionnels, tu vois. On sait pas, ça se trouve, des fois, il y en a, ils vont mettre des dingueries. Donc du coup, on prend pas de risque, hop, on supprime. Oh, il y a Crispy Tenders. Non mais frère, il y a tous les viewers, là, c'est bon. Oh. Oh, maman, je passe pas. Attendez. Tout juste là. En fait, c'est ce qui est très bien, c'est que j'ai la chance de vivre dans une région où c'est pas cher. Genre, je suis en campagne. Mais je serais par exemple en Suisse ou à Paris. Les gars, autant vous dire que là, les gars, ça va être très compliqué d'en vivre. Code à fond. Il y a même mon frère dans le chat, il peut en témoigner. Je suis allé super vite, j'ai tryhard de ouf. J'y allais en vélo tous les jours. Je faisais 2 à 3 heures de code par jour. Et c'est trop bien, j'ai tryhard la strat. Oh dommage. Le bloc qui passe devant, ok. C'est... Ouais, je sais pas, je suis... Oh, il est gentil. Non, 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 vas-y, reprends-la, Sacha. Ils sont gentils. Oh, vas-y, vas-y, je vais la choper à page de garde. Oh. Non, mais frère, vas-y. Eh, le coup du sombrero... Le coup du sombrero à d'autres. Non. Vas-y, le prochain que je vois, je lui chope la queue. Ok? Oh, mais non, Naizok. Mais non, mais frère, me la donnez pas! Me la donnez pas, les refs! Oh! Voilà.
Non mais ça me donne la queue comme ça, au calme. C'est vraiment les goats hein, sur ce stream. Ok, on va tempo. Non, dommage. Y'a personne là. Ok, let's go. Oh l'enfer. L'enfer cette phrase. Bon les gars, tout le monde se tape hein. Let's go. Ok. On est bien les petits refs. Ah, manquerait plus que ça tombe là-bas. Attends, ça a tremblé là-bas. Le bar jump, le bar jump. Oh là 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 là, je l'avais senti le bar jump. Je l'avais senti, tout était calculé. Allez tiens, on grabe l'autre en bas. On grabe le catcher et après on se fait le petit 1v1 Misiox, ok? Attends. Ah attends, je crois que c'est un viewer, non? C'est un viewer? Je sais pas si c'est un viewer. Fais un coup la toupie. Fais un coup la toupie Edouane. Edma, non. Oh non, 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 non. Frère, ça fait deux fois que je lui fais. Non, mais non. Mais non, frère. Mais non. Voilà les copains, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit message dans l'espace commentaire pour me dire quel palier tu es actuellement. Et bien sûr, si tu veux vivre ces moments en direct, tu peux tout simplement me rejoindre sur Twitch. Je suis en live tous les jours. Si tu veux davantage de mes vidéos, t'as celle-ci qui vient juste d'apparaître. Et sinon, sache que je sors une vidéo tous les jours. Donc je te dis à demain pour une prochaine. Salut.